À la faveur de la Journée internationale de lutte contre la fistule, la secrétaire d'État à la santé publique Zainab Béchir Moussa, accompagnée de partenaires, en l'occurrence ceux de l'UNFPA, a visité les femmes admises au centre de traitement de fistules. Après s'être imprégnée des réalités, surtout des conditions de prise en charge des patientes globalement satisfaisantes, la ministre a rassuré de la disponibilité de son développement d'œuvres davantage pour la santé de cette couche. Le Fonds des Nations Unies pour la population réaffirme également sa ferme volonté de poursuivre les efforts de lutte. Nous développons le même centre et on venait d'en inaugurer un autre à Mundu. À l'heure où je parle, le représentant de l'UNFPA est à Béché, au village des femmes, et il est en train d'inaugurer un autre centre d'excellence. Et autant que possible, nous allons appuyer le gouvernement dans ce travail pour la prise en charge de nos sœurs et nous assurer que toutes les femmes soient heureuses en donnant la vie. À la faveur de cette journée, des kits de dignité ont été remis aux patientes. Un message d'espoir, celui de garantir l'accès à un traitement de qualité, leur a été également adressé par la secrétaire d'État à la santé publique et l'UNFPA.